Salut les amis, bienvenue à tous pour le mot du jour. Avant de commencer, une spéciale dédicace à un de mes partenaires, Clean Hugs. Ce sont des fabricants français de savons artisanaux, pratiquants, passionnés jiu-jitsu brésilien comme moi. Et en termes de lutte contre les bactéries, etc., ils s'y connaissent particulièrement puisque vous pouvez imaginer que quand on est sur les tatamis, on est confronté à ce genre de problèmes d'hygiène et de nettoyage. N'hésitez surtout pas à aller voir ce qu'ils font en cette période de confinement. Ça peut être très intéressant d'avoir une bonne hygiène. Et ils font également aussi des déodorants. J'adhère totalement à leur philosophie. J'utilise leurs produits tous les jours. Voilà pourquoi je voulais leur faire une spéciale dédicace. Merci les gars. Je reviens au bout du jour. Oxygène, 3 tours. 50 rows avec un objet. 400 mètres de run. 50 abdos. 800 mètres de run. Et ça, 3 fois. Alors, on va regarder tout de suite quels sont les deux mouvements avec la charge. Donc, comme d'habitude, la charge, ce que vous avez, sac à dos, pack d'eau, haltère, un enfant, ce que vous avez, ok? Donc, je vous montre l'exercice. Je prends mon sac à dos, Odd Object Rows. Ici, je vais fléchir mes jambes, dos bien droit. J'active mes omoplates, je serre les omoplates. Et dans cette position, je vais ramener mon sac à la poitrine. Quand je ramène mon sac à la poitrine, je serre encore plus mes omoplates. Là, je dois vraiment sentir, limite à la fin de cet entraînement, vous devez, ou le lendemain, vous devez sentir que les omoplates, vous êtes courbaturés au niveau des omoplates. C'est hyper important. Ça veut dire bonne posture au niveau des épaules, maintien du haut du dos, très très important. Ok? Donc, je suis ici, et là, je tire. Ok? Juste un petit point de détail parce que j'y pense, maintien du haut du dos, super important. Pourquoi? Parce que souvent on a tendance à parler du bas du dos quand on parle de rupture et quand on parle de problèmes entre le bas du corps et le haut du corps, et on se dit bah oui, c'est le bas du dos qui a lâché. Mais sachez une chose, c'est si votre haut du dos n'est pas solide ici et que j'arrive pas à conserver un haut du dos solide et bien gainé, ce qui se passe c'est que si mon haut du dos commence à s'arrondir, mon bas du dos va s'arrondir. D'accord? Si par contre je garde un haut du dos très solide, c'est compliqué pour moi d'aller arrondir mon bas du dos en gardant le haut du dos très solide. Donc gardez-moi un haut du dos très solide, vous allez voir que vous allez vraiment faciliter le fait de pouvoir garder votre bas du dos très solide. Ok, donc je reviens vite fait sur les rows. Ici, j'active les omoplates, je serre et je fais mes 50 rows. Ok? Voilà pour ça. Ensuite, 400 mètres de run. Donc, je pars courir. Je ne peux pas courir. Je fais 3 fois 10 mètres de shuttle sprint. Shuttle sprint, qu'est-ce que c'est? Je pars d'un point A à un point B. Je cours entre les deux. Je viens toucher le sol à chaque fois. Et je fais ça 30 fois. OK? Si je ne peux pas faire de shuttle sprint, parce que je n'ai pas de distance de 10 mètres dans mon appartement, je fais 30 burpees. OK? Si je ne peux pas faire 30 burpees, je fais 100 double under, les doubles sauts à la corde à sauter. D'accord? Voilà pour les adaptations du 400 mètres run. Et ensuite, je fais 50 abdominaux. 50 abdominaux, ce qu'on fait traditionnellement. Je m'assois, je viens fléchir mes jambes devant. Et dans cette position, je vais venir toucher avec mes mains derrière ma tête le sol. Et je vais venir toucher mes pointes de pied et légèrement le sol devant mes pointes de pied. Ok? Dans l'exécution de ce mouvement-là, si c'est compliqué pour moi parce que je suis fragile du bas du dos ou je n'ai pas suffisamment d'abdos pour me relever, je vais vous montrer l'adaptation. Sinon, ce que ça donne, c'est ça. Je suis ici, je descends, je touche, je me relève et je touche devant. Je touche derrière, je touche devant. Ok? Tout ça en gardant des abdos bien contractés. D'accord? Plus vous allez garder vos abdominaux contractés, plus vous allez focaliser sur vos abdominaux, plus vous allez développer vos abdominaux. Je ne peux pas me relever parce que je n'ai pas suffisamment de force dans mes abdominaux, par exemple, ou parce que ça me fait mal au dos de me relever. Dans ces cas-là, je vais fléchir mes jambes, mettre mes pieds au sol, mettre mon buste au sol, et là, je vais venir mettre mes mains sur les cuisses. Ce que je fais si j'ai mal au dos, c'est que je garde mes lombaires enfoncés dans le sol ici, en gainant mes abdominaux, en gardant le menton dans la poitrine et la tête relevée, épaules décollées du sol. Ok, donc je suis dans cette position-là, et là, je vais venir redresser mon buste jusqu'à ce que mes mains viennent au-dessus de mes genoux. Hop, au-dessus. Si je ne suis pas sensible du dos, je peux venir poser mes épaules au sol à chaque répétition et je remonte. Je pose et je remonte. Ça me permet de travailler une amplitude totale de mouvement sur mes abdominaux puisque je vais aller en hyperextension au niveau de mes abdominaux, puis je vais aller fléchir. Okay?
Voilà pour les abdominaux. Et là, je pars ensuite courir 800 mètres. Donc, je cours 800 mètres. Si je ne peux pas courir 800 mètres, et bien dans ces cas-là, je fais 60 burpees ou 200 double under ou 60 fois 10 mètres de shuttle sprint. Voilà les amis, et ça sur 3 tours. Ok? Allez, c'est parti. Je vous souhaite un bon road, une belle journée et je vous dis à demain.